C'est parti pour 3 minutes. 3 à Pékin Express. C'est une bonne cachette. Je suis pris une toile d'araignée dans la tronche. Hello Athéna, coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui, fille? Ça va. Bon, alors aujourd'hui, on est en Allemagne, à Fantasia Land. Et on va se faire un cache-cache. Oui. Regardez, il y a de quoi faire, il y a 6 zones. Et on va se faire une partie par zone. Et d'abord, c'est Athéna qui va se cacher dans cette partie par là, qui est Chinatown. Et c'est un cache-cache couleur. C'est-à-dire que tu trouves quelque chose de rouge-rose, hein, dans ce ton-là. Ouais. Voilà. Bah, il y en a partout, pour alors. Pour se cacher. Hein. Tu vas avoir 3 minutes. Donc, 3 minutes avec Calice. C'est Calice surtout qui va te chercher. Ouais. Moi je vais la suivre. Elle va devoir te trouver. Et après, ce sera Calice qui se cachera dans une autre zone. Et tu te cacheras dans une couleur bleue, Calice. Marie. D'accord. Alors, attention, je prends le chrono. Et dans 3 minutes, on commence à te chercher. Faut que j'allume la caméra. Ouais, vas-y. Est-ce que tu es prêt de Calice? Oui. 3, 2, 1. C'est parti pour 3 minutes. On se croirait à Pékin Express. Avec le Chinatown. Nous sommes à Pékin Express. Attention, va-t-elle atteindre le drapeau? Bon, ben on fait quoi nous pendant 3 minutes? Eh bien, on attend. On attend. Oh, c'est pas par là, en vrai. Je pense que je peux me cacher. Ah. Ouais, ouais. Bonjour. C'est où? Non. Je sais pas du tout où j'en suis. J'ai le stress. Le problème, c'est que je ne peux pas choisir où. J'aurais été là. C'est une très bonne question, ça, Calice. Je suis pas réveillé. On a combien de temps pour la chercher? Bah oui, mais normalement, c'était 3 minutes en tout, mais on lui laissait. Bon, écoute, c'est pas grave, on aurait pu laisser juste une minute pour se cacher. C'est ce qu'on fera pour toi. Parce que du coup, elle s'ennuie là. Et on va repartir pour 3 minutes. Allez, du coup, j'arrête. Ah, 3 minutes, mais t'as vu la taille de la map? La taille de la map? Oui. Non, ça va, 3 minutes. Attention. Non, 3. 2, 1, c'est parti, Pékin Express. Ici. Là, il y a tout. Non, c'est pas très grand, parce que tu vois, on a la limite, c'est vraiment l'entrée de l'hôtel. Et puis sur la gauche, on y est presque aussi sorti. Là, c'est tout petit, c'est la zone la plus petite. Sauf qu'elle doit se cacher en plus sur du rouge, sur du rose, elle doit se fondre dans la masse, en immersion. Bon, on va se cacher là. T'as trouvé? Ah non. Allez, je la suis. Ah, c'est chouette, un cache-cache couleur. On n'a jamais fait ça. Je crois pas. Tu crois pas, non? Allez, 2 minutes 9. On repère bien les couleurs rouges. Ah, ça aurait été magnifique. Ouais, ça aurait été bien. 1 minute 55. Je pense que vous voyez assez bien. On va bien sûr pas les toilettes, hein, c'est aller aux toilettes. On se cache pas à l'intérieur. 1 minute 26. Ça passe vite, hein? Une minute 12. À mon avis, elle s'est pas cachée à l'entrée. C'est chaud. Désolé si vous voyez mal. Peut-être pour lui dire que Athéna va marquer le premier point. Non. Je vais vous protéger. Ok, pourquoi pas. Ah non, y'a rien. C'est un coup de chac. Allez, 23 secondes. C'est dingue, elle est bien cachée, on a tout fait. On a couvert toute la zone. Maintenant, faut aller dans les détails. 16 secondes. 12. 10. Ouais. 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, oui, bravo, mais vraiment à une seconde de la fin. À une seconde de la fin. Oh non. Oh, super bien caché. Où il y avait du rouge? Ouais, il y avait du rouge. Il y avait l'arc. Ouais, d'accord. Alors je me suis caché là. Oh, c'était serré là. Un point pour Calice. J'ai cru que Athéna gagnerait le premier point. Je suis un peu dépité. Bravo Athéna. Un canard. Un canard laqué. On lui a mis de la laque. Ça fait un canard laqué. Alors, deuxième zone pour que Calice se cache, ici. Oui. On a fait Chinatown. Là, on était. On est là, où on est là. On fait l'entrée mystery. Cet hôtel là, il est très bien. Ouais. Je vous le recommande, c'est bon. Ouais. Alors Calice, là on va voir quand même. On va compter le gris pour toi parce que sinon il n'y a pas de bleu. Il ouais, n'y a ouais. pas de bleu, il n'y a pas de rouge. Donc il y a beaucoup de gris. Donc on va compter le gris quand même pour toi. Il y a du gris hein, là-dedans. Ou pas. Mais bon. Donc pareil, on va te donner 3 minutes comme ta soeur. Attention, t'es prête? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Dans 3 minutes, on va te chercher. Allez, parti, Lee. Je suis stressée. On va éviter de se cacher. On va éviter de se cacher trop près. Et dans les petits tunnels qui mènent... enfin, les petits cul-de-sac. Parce que ça va trop se voir. Ils vont forcément chercher dedans. On va essayer de se cacher loin. Comme ça, ils n'auront pas le temps de tout chercher. Ouais, il faut que tu rattrapes ton point. Mais c'est jouable, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se cacher. Oh, mais c'est assez grand. Donc, ouvre bien les yeux. Il y a beaucoup de gris, quand même. Surtout qu'en fait, il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup de gris, mais il n'y a pas beaucoup de cachettes. Alors, oh, un petit escalier là-bas. Je sais pas où ça mène, je crois que c'est l'entrée d'une attraction. On peut se cacher par là. Oh non, on descend. Alors, tu vois, Tenaria, c'est la zone mystery. Pourquoi mystery? Je ne sais pas, c'est mystérieux comme nom. C'est mystery comme nom. Ah oui. On peut se cacher là? Genre on se cache dans le petit truc là. Bon, s'ils arrivent de par là, c'est raté, mais s'ils arrivent de là, on peut se cacher. Donc je pense que c'est une bonne cachette. Alors, Athéna, le temps est parti pour Calice pour se cacher et passer 3 minutes pour la trouver. 3, 2, 1, c'est parti pour 3 minutes. Allez, je te suis. Bref, je vais les attendre ici. C'est vrai qu'elle est partie par là, mais bon. Si je me mets comme ça, en soi, c'est possible qu'il ne m'oeille pas. Non. Donc il devrait arriver dans une minute. Allez, 2035, ça passe très vite à demain. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Deux minutes, ben. Juste un petit problème, je suis derrière une porte, donc imagine, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, je suis dans le mal. Voilà, mais à part ça, c'est bon. Faut juste prier pour qu'ils n'arrivent pas de par là. Alors pas dans les toilettes, t'inquiète pas, elle est pas dans les toilettes, c'est les toilettes par là, c'est les toilettes. La Athéna, tu passes par où? Ah non, je suis toujours pour vous, moi. Vous trouvez? Ah, j'arrive. Ah, je me suis dit, si vous passez par là, c'est bon, mais sinon, tu vas. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on connaît pas du tout ce parc d'attraction, c'est la première fois qu'on vient. Bravo. En plus, vous allez passer par les cordes et tout. T'avais du pot. Ouais, je suis passé sous la corde. Et après, je me suis dit, ah, mais c'est libre là. Bon, bah, ça... Il restait 1 minute 30 au moins. Ah. Égalité. En tout à l'heure, c'était une seconde. Égalité, on passe à une troisième zone. Ouais. Ça a l'air pas mal ça. Ouais. Les filles, on est dans la partie Mexico. Par là, Mexico. Athéna, c'est toi qui vas te cacher. Par là-bas. Alors, bon, ça compte hein, si c'est un petit peu rose, un petit peu comme les pierres, un petit peu comme le sol, bah, rouge, rose. Voilà. Attention, 1 minute pour te cacher. Merci. Simplement cette fois. Et après, on a 3 minutes pour te trouver. 3, 2, 1, c'est parti. T'as été à GoPro?
Allez, la GoPro, c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Une minute pour te cacher. Donc, égalité pour l'instant, un partout. Ah bah, 3, 2, 1, c'est parti pour 3 minutes pour trouver Athéna au Mexique. Ah, au Mexique, au Mexique. Imagine, elle se cache là. On t'a trouvé. Ah bah non. C'est beau. C'est bien, c'est que ça fait visiter en plus Fantasia Land. Ah, regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai perdu. Là, je sens qu'Athéna va marquer un point. Je sais pas pourquoi, mais... J'ai retrouvé Mexico. J'étais à Berlin. Ouais. Ah, on est où? C'est un restaurant, ça. Une minute, une minute. Vingt secondes. L'appeler. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Ah. Je me suis paumé. Bah, non, j'étais à Berlin la moitié du temps, mais là, je crois que je suis retourné à Deep Africa. Allô, j'éteins la caméra du coup. A little later. Athéna, fatigué? Ah, tu t'es perdu, t'étais à Berlin. Et Berlin, c'est derrière l'Afrique. Et nous aussi, on a failli se perdre. Et Berlin, de toute façon, c'est là où Calice va se cacher maintenant. Ouais. Ah ouais, c'est bien. C'est assez bleu, je pense que ça sera... Donc du coup, c'est pas un point pour Athéna, c'est un point pour Calice. Ouais. Athéna s'est pas caché, malheureusement, au Mexico, c'était pas évident. Attention, on se retrouve à Berlin maintenant. Alors ça, c'était ta cachette que tu voulais tout à l'heure. Oui, c'est un loft. En plus, Calice, toi, t'es passé ici. Mais tu l'aurais peut-être pas trouvé, hein. Ouais. Ouais, tu l'aurais pas trouvé, hein. C'est ce que tu veux le faire. C'est sympa ça. Oui. On reconnaît la gourmande. Oh c'est bon. Ça c'est beau surtout. Oh là là. C'est des bananes ça. C'est plein de couleurs. Wow. Bon Calice, ça peut te cacher, regarde. Nous sommes ici. Nous sommes ici et tu as tout Berlin pour te cacher. Alors, tu vas partir où tu veux, on va pas regarder où tu pars. Quelque chose qui est un petit peu bleu quand même, c'est pas évident au niveau des couleurs. Hein. Ouais. Est-ce que t'es prête? Oui. Coucou. Alors, Calice. Check. T'es prête? Ouais. Une minute pour te cacher. 3, 2, 1, c'est parti. On regarde pas où tu pars. On regarde pas là, nous on va regarder les brochettes. J'ai vu la voiture. Et je me suis dit, venez, on se cache dans la voiture. Mais je sais pas si je me cache dans la voiture. Parce que, en tout cas, elle est bleue, c'est sûr. Mais en fait, c'est une bonne... Oh, je suis pris une toile d'araignée dans la tronche. On va pas se cacher là. Oh, il y a une fontaine. Attention, 3, 2, 1, c'est parti pour 3 minutes. Bon, je devrais me dépêcher parce qu'il devrait bientôt arriver. C'est beau, regardez-moi cette chaise roulante, c'est magnifique. Il faut que ce soit bleu un peu quand même, Athéna. Faut pas oublier qu'on fait un cache-cache couleur et c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas facile. Bon, y a pas grand chose dans la rue. Oh, je suis dégoûtée, elle était bien finalement la voiture. C'est beau. Je peux peut-être me cacher là. C'est possible en vrai. Je pousse les fleurs.
Ah, il y a encore des toiles d'araignée. Il reste 1 minute 40. Ils vont bientôt arriver. Ils vont me trouver, j'aurai pas encore de cachette, MDR. Oh, du bleu. Ouais, c'est pas du bleu marine. Elle est cool, Athéna, elle court pas. On n'a pas le droit de se cacher dans les attractions. Non. Bon, bah tant pis. Là, il y a la cour. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas trouvé de cachette. Pas évident en cache-cache couleur, c'est ce que je disais. Donc on revient à égalité de partout. Mais il y avait une petite voiture avec du là-bas. C'est ce que je voulais faire, mais je me suis pris une toile d'araignée dans la tronche. Et alors j'avais plus envie. C'est vrai? Oui. Excellent. Non, c'est pas excellent, mais merci. Non. Waouh, wow, ouais, on reconnaît bien l'Allemagne, là, l'architecture allemande. Donc Athéna, t'es passé par là tout à l'heure? Ouais. T'étais même plus au Mexique, là, hein. En fait, t'avais vu des chaises volantes, t'as dit j'y vais. Ouais. Bon voyage, Athéna. Ouais, Cali. Ouais. Nous, tous les deux, on a fait un truc à 160 ans, ça pouvait pas y aller. Ah ben voilà. Allez, toute seule devant. Allez, regardez ce qu'on vient de faire. Ça donne envie. C'est satisfaisant. Bon, on est à Fantasy, dans la zone Fantasy. Et là, c'est le troisième round, le dernier. Ouais. Décisif. Pour l'instant, il y a deux partout. J'ai décidé que ce sera Calice qui va se cacher en premier. Pour des raisons logistiques, parce que le parc est assez grand. Et en fait, comme Athéna va se cacher en Afrique. Eh bien, on va commencer par Fantasy, d'accord? Ouais. Tu vas te recacher. Tu vas regarder Fantasy, c'est ici. On est ici, voilà, on est là. Tout ça c'est Fantasy. Et alors que tout à l'heure, Athéna, toi tu vas te cacher en Afrique, par ici. La minute pour te cacher. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, une minute. On va se cacher dans les éléphants. Donc en fait c'est juste à côté. Donc de l'endroit où on compte. On est l'après-midi, on a fait quelques attractions en attendant. Et on est un petit peu fatigué. Ça rajoute un petit peu de difficulté au challenge du cache-cache couleur. Et c'est bleu, et c'est joli. On va se cacher dans les éléphants. J'espère juste que j'arriverai à monter sur les éléphants. Oh, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Attention, Athéna, 3 minutes. 3, 2, 1, c'est parti pour 3 minutes pour trouver Calice à Fantasy. Et voilà, derrière les éléphants. Donc, c'est pour toi dans du bleu, à côté du bleu. Quelque chose de bleu. T'as repéré quelque chose de bleu? Là, ça aurait été parfait en fait. Donc en fait, par là, on va vers le bateau. Ouais, on avait dit pas plus loin. Ah, ça y est, cours, Athéna. Je vais voir un rominé. Ah, des marches bleues, pourquoi pas? Oui, c'est vrai que là, il y a aussi... Ah, c'est vrai qu'il y a du bleu, là, hein. Bonne idée. Mais là, non, c'est l'attraction express. C'est... Elle va pas être là. On a le droit d'aller plus loin? 45 secondes. Bah, dis donc, ils emmènent du temps. 20 secondes. Normalement, c'est bientôt fini. 5, 4... 3, 2, 1, c'est terminé. Je vais sortir un peu. Je l'ai vu, Athéna, je sais où elle est. Non. Oh. Et voilà, je me suis cogné la tête. Bon bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'il revienne. Ah, malheureusement, c'est Calice qui marque le point, mais c'est pas fini. Hein. Tu peux y avoir égalité si tu te caches bien tout à l'heure en Afrique. 3 à 2 pour Calice. Ah, j'aurais pu me cacher là, ça aurait été beaucoup plus simple. Bonjour.
Oh, il y avait même un chemin, j'aurais pu me cacher là, c'était si simple. Je suis bête. Bonjour. Alors, t'étais pas à droite, t'étais à gauche, Calice. T'étais à gauche, là ici. Elle était juste là. Allez, c'est qu'un jeu. Mais c'est pas fini, Athéna, tu peux faire égalité. Donc, on va se rendre en Afrique. Et Athéna va trouver une super cachette. On se fait des petites attractions. On se fait aussi des grosses attractions, mais on peut pas se filmer dans les attractions. C'est bien ? Vous entendez les tam-tam ? Ouais. On est en Afrique, il y a même des gaps africaines, attention. On va donc procéder au dernier round, au dernier cache-cache, puisque c'est Athéna qui va se cacher tout ce qu'il y a ici. Là, on est là, nous. Donc tout ça, c'est l'Afrique. T'es prête ? Ouais. Pour qu'Alice, on te trouve 3, 2, 1. Allez, c'est parti, tu cours. Allez, parti, une minute. On est où ? On est là ? On est là. Alors là, j'ai réfléchi un petit peu. D'abord, un endroit où je pourrais me cacher. En fait, je vais me cacher vraiment à la frontière, dans un petit bâtiment. Vous allez voir, ça va être bien. Ah, si, c'est là. Je vais camper là. Il n'y a aucun monde. Et maintenant, on s'accomplit. Bon, ça va, vous ? 3, 2, 1, c'est parti pour 3 minutes. Une petite boutique. Ah, l'hôtel Matamba. Là, j'ai gagné. Ça s'est caché dans une. J'ai comme l'impression que tu tournes en rond. Minute 40. En plus, j'en ai parlé avec papa de la cachette. On sort de l'Afrique, là, ouais. Une minute 13. Du coup, il m'a aidé à chercher une cachette. Je l'ai trouvée. Il m'a dit, ok, ça passe. Alors, du coup, j'y suis allée. Il reste 10 secondes malheureusement. Ah. 8, 7, 6, 2, 1. C'est terminé. Il y a donc égalité. Je ne l'ai pas vu non plus. Je ne sais pas du tout où elle peut être cachée. Incroyable. Ouais, je vais l'appeler. Allô. J'ai gagné. T'as gagné, Athéna. Ouais. T'es caché où? J'ai dégagé quelque part, on va la montrer à Calice, la cachette. T'es où? Je suis à la frontière avec Berlin. Ça y est, Athéna est là. Je l'ai appelé par téléphone. Mais attends, t'étais caché où? Derrière, bah le mur est orange. Ah, c'était carrément là derrière? Oui, mais c'est pas rouge. Tu nous as vu passer? C'est pas rouge. Ah, le mur est rouge. Parce que j'ai dit effectivement le mur ça comptait orange. Là, j'ai dit aussi ça se comptait comme rouge, tout ce qui était bois comme ça. Voilà. C'était la meilleure cachette, on est d'accord. Ouais. Elle était trop bien. Ah, bravo Athéna. Égalité. Elle était trop bien ma cachette, ouais. On est d'accord. Ouais, et puis elle était orange, bon ton pantalon est un peu orange, voilà, ça du rouge, du orange, mais ça passe. C'est pas évident hein, de faire un cache-cache couleur ici. Donc égalité, il n'y a pas de problème. Ouh, génial. Et ça les filles, c'est le Matamba, c'est l'hôtel africain, c'est là où on va manger ce soir. Waouh. Ouais. Ah. On va faire un câlin dragon. Non. Au revoir. Oh, il est mignon. Alors les filles, c'était bien ce cache-cache couleur? Ouais. Bon, bravo, vous avez terminé à égalité, 3 points chacune. Donc vous avez mérité toutes les deux un petit cocktail
maison. Goûtez-moi ça, dites-moi ce que vous en pensez. La bonne récompense. Alors bien sûr c'est un mocktail, hein. Il n'y a pas d'alcool évidemment. C'est bon? Il y a quoi dedans? Banane et fraise. Ouais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo cache-cache couleur ici à Fantasyland. On a essayé de vous montrer aussi différentes attractions, différentes thèmes, décors, etc. Parce qu'on ne peut pas filmer dans les attractions ici, donc on ne verrait pas les attractions vues de l'intérieur. On a essayé de vous montrer le maximum de choses, pas tout parce que c'est énorme. Nous en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain challenge ou un prochain parc d'attractions sur Studio Bubble Tea. On kiffe, on chill. Ouais. Plein de gros bisous et surtout n'oubliez pas. Soyez vous, soyez bien, soyez bon et vivez Noël.